C'est une apparition pour le moins remarquée que le roi du Maroc a faite le lundi 15 mai. Pour son retour sur le devant de la scène après un retrait de plusieurs mois, Mohamed VI a présidé la cérémonie de présentation du premier véhicule marocain, au Palais Royal de Rabat. Si cette présentation était historique pour l'industrie du pays, le souverain a malgré lui éclipsé cette prouesse automobile. Il est en effet apparu avec une silhouette très différente de celle de ces derniers mois, si bien que plusieurs médias locaux l'ont décrit comme méconnaissable. Vêtu d'un costume, gris foncé à carreaux, trop grand pour lui, le monarque de 59 ans a visiblement perdu plusieurs kilos, voire peut-être quelques dizaines. Cela lui donne une allure beaucoup plus élancée qu'à l'accoutumée, comme on peut le voir sur les clichés partagés sur Twitter par l'agence nationale marocaine de presse, MAP. Si cette dernière n'a fait aucunement mention de ce changement physique pourtant impressionnant, nos confrères des autres pays du Maghreb et d'Espagne se demandent si cette spectaculaire perte de poids pourrait être liée à l'état de santé de Mohamed VI. La princesse Lala Khadija, fille du roi Mohamed VI, célèbre son anniversaire. Mohamed VI souffre-t-il d'une grave maladie auto-immune? Opéré à deux reprises du cœur, en 2018 et en 2020, le souverain est demeuré absent du palais pendant plusieurs mois et ses apparitions publiques se comptent, depuis le début de l'année, sur les doigts d'une seule main. Le site d'information espagnol Vanitati rappelle que les autorités marocaines n'ont signalé aucun problème de santé, hormis les deux arythmies cardiaques pour lesquelles Mohamed VI a été opéré. Plusieurs rumeurs circulent néanmoins, d'autant plus que l'état de santé de ce dernier avait conduit au report du sommet maroco-espagnol en 2020. L'hypothèse la plus fréquente évoque une maladie auto-immune du nom de sarcoïdose. Ce trouble du système immunitaire peut attaquer n'importe quel organe, à commencer par les poumons et les ganglions lymphatiques. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit Photo, Agence. I'm sorry.